tourage, du feuilletage pour faire des galettes. Donc là, j'ai laissé étaler la pâte pendant, détendre la pâte pendant 3-4 heures. Donc là, maintenant, je mets le beurre dans les bâtons que j'ai étalé à 7 mm. Puis après, je fais le procès de tourage. Donc je fais deux tours doubles pour commencer. Je rentre le beurre. À 5 mm. Voilà, je coupe toujours les bouts pour que ce soit régulier. Un tour double, donc j'en fais un deuxième. J'étale à 12 mm à peu près. Et je vais mettre au froid jusqu'à cet après-midi. Parce que sinon le beurre va marbrer et il va commencer à fondre. Donc là je fais le dernier tourage cet après-midi et ça sera prêt à détailler demain matin pour faire les galettes. Bien dans le plastique parce qu'il ne faut pas du tout d'air, sinon ça sèche très vite. C'est une pâte qui est très ferme en général. Voilà. Et voilà. Donc là je vais faire mes galettes à la crème d'amande. Là, je vais en faire au poids et une nature. Voilà, c'est la cuillère. On peut faire la spatule aussi, mais je suis habitué comme ça. Donc là, je fais 100% crème d'amande. Je ne mets pas de crème pâtissière dedans. On va en mettre un peu mieux. Voilà. J'en mets un peu moins pour celle à la poire. Je ne vais pas en mettre trop sur les bords non plus. On pourra fermer. Parce que la crème elle fond à la cuisson, donc il ne faut pas qu'elle s'échappe. Voilà. Au poire. Un peu au milieu.
un peu de dorure autour. Donc c'est du de l'œuf. Donc pour que ça puisse souder, ça puisse coller. Voilà. La fève, bien sûr. On la met dans le coin. Pour que ce soit plus difficile à repérer. Donc là, je mets de la colle alimentaire. C'est du seigle. Donc seigle et dorure, ça fait colle alimentaire. Donc ça évite que la galette s'ouvre. Voilà, après. Là, je fais plusieurs motifs. Donc pour la poire, je fais un motif différent que l'autre pour identifier. Voilà. Là c'est bon. Il y a la frangipane. Donc on soude bien les bords. Pas que ça s'échappe, voilà. Et à la poire donc. Et donc pour finir, on décore le tour. Moi je fais avec une cuillère retournée. Il y a un petit geste à prendre aussi, c'est pas toujours évident au début. Et la cheminée pour que ça se développe, que ça puisse faire partir l'humidité. Et voilà, les galettes sont prêtes, enfournées. Bonne